Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'aurez compris dans le titre et dans les images que vous voyez passer actuellement. J'ai acheté une nouvelle selle de dressage, alors c'est une selle d'occasion de Vuku Mendia. Je l'ai essayé, c'est une 17 pouces parce que 16,5 pour moi c'est vraiment trop petit. À part ma selle d'obstacle avec un siège plat qui passe, pour moi c'est trop petit pour une selle de dressage. Donc j'ai pris une 17 pouces et elle passe sur le dos d'Hidalgo par miracle parce que comme vous savez certainement il a un dos très court donc c'est très compliqué de lui trouver une selle. Donc j'ai essayé la selle, malheureusement je n'avais qu'une journée pour l'essayer et ma plus petite sangle de dressage c'était une 50 cm et elle était trop grande donc vous verrez au fur et à mesure que la selle recule. Bon, vu que ça a reculé de 5 cm, c'était pas très grave, mais j'ai pas monté très longtemps. J'ai dû faire 20 minutes grand maximum parce que ben, j'avais pas envie que de le gêner. Et puis, c'est pas très agréable une selle qui n'est pas bien à sa place. Bon, là on parle de 5 cm, hein. Encore une fois, il n'y a rien de dramatique. Comme vous voyez sur les images, ça va. Donc pour vous parler de la selle, je la trouve très confortable. Mes jambes étaient complètement fixes. Bon, le bas bouge encore, mais ça c'est normal. C'est parce que j'ai besoin du bas de mes jambes pour mettre de l'impulsion, bouger ses hanches, tout ça. Quand même, hein. C'est censé quand même pouvoir bouger une jambe dans une selle de dressage. C'est pas censé complètement être figé. Mais mes jambes ne font pas essuie-glace, ça c'est bien. Même si en vrai, j'avais une jambe déjà fixe de base. J'avais envie d'avoir une petite aide. Surtout pour le trou assis qui est compliqué à tenir, voilà. Donc avec ça, si on ne sort pas en concours de dressage, c'est qu'on est vraiment nul, hein, voilà. Sinon, bah oui, la selle est très confortable. Les taquets avant qui sont quand même très gros sont très mous. Donc en fait, si votre jambe elle dépasse sur le taquet, c'est pas grave du tout, c'est très mou, très confortable. Donc on n'est pas coincé. Le poney il était très bien, on a donc testé la selle dans un sol vraiment irrégulier. Il y avait des trous, il y avait des bosses, c'était un peu une cata. Donc il n'était pas très allant, il a glissé deux fois. Donc je devais beaucoup mettre d'impulsion pour le faire avancer parce que il ne voulait pas avancer. Et puis quand il avançait un petit peu, il glissait. Donc vraiment pas ouf du tout. On retestera la selle avec une sangle, des étrivières et un terrain correct pour tester dans de bonnes conditions. Après, de toute façon, je l'ai acheté, je me suis dit au pire, elle est modifiable, donc on modifiera, hein. Je ferai venir un sellier, mais bon. Là, ça avait l'air d'aller quand je l'ai posé à nu avant de monter dessus, donc sur son dos, sans tapis, sans rien. La selle posait correctement, il n'y avait pas de point de pression. Ça dégage très bien la colonne, mais pas trop, donc genre il n'y a pas trop d'espace au-dessus du garrot, c'est raisonnable, hein. Je passe 4 doigts, donc c'est très bien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, mis à part que vous verrez dans les prochaines vidéos que il va se passer un gros changement. Après là, j'en sais pas plus, au moment où je vous fais ce montage, j'en sais pas plus, je vais pas vous parler trop vite parce que s'il y a des choses qui se font pas ou des nouvelles choses qui n'étaient pas prévues, bref. Voilà, là vous voyez que je fais un petit halo en ligne droite, histoire de, c'était vraiment la fin. Vous avez toutes les images, j'ai vraiment pas monté plus que ce que vous voyez là. J'ai fait quelques petits cuts, mais vraiment, j'ai presque rien coupé. Et avant qu'on me filme, j'ai dû ouais, peut-être monter 5 minutes. Donc voilà, j'ai vraiment pas monté longtemps pour vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir cette selle, même si elle m'a coûté la peau des fesses, sans vous mentir. Et du coup, j'espère que vous allez vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, laissez un like, un commentaire. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye.